Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler de l'énormissime KVK du 1365 et du 1846. C'est pour ça que vous me voyez sur mon compte le plus puissant. On va parler des petits bugs encore qui nous permettent de voir ce qui se passe. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis. Vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les tips, les guides, les bugs. Bref, tout est sur le Discord, foncez les amis pour nous rejoindre. Les amis, donc ce KVK énormissime, le 1365 face au 1846 avance et franchement il est quand même plein de surprises. Alors je suis sur mon compte totalement éclaté, mes comptes qui est sur le 1846 hein, et comme vous le voyez on ne peut pas avoir ce qui se passe puisqu'il y a de la brume partout. Et d'ailleurs je vais vous montrer une petite astuce, je vous l'avais déjà montré mais cette fois je vais vous la montrer sur PC parce qu'elle est légèrement différente. Comment enlever la brume, comment voir ce qui se passe sur les Heroic Anthem lorsque ce n'est pas encore assez avancé, lorsqu'on n'est pas à 26 jours. Regardons avant cela les stats au travers d'un tableau qui a été communiqué sur le Facebook hein, en prenant le top 300 et le top 1000. Alors ça date du 12-08 UTC à 20h30, donc le 8 décembre c'est inversé bien évidemment. Le 8 décembre, ça a quelques jours suite à l'ouverture des portes de niveau 4 et sur le côté droit à l'est hein, s'affronte le 1846 et le 2489. Et regardez le comparatif du top 300 du royaume et du top 1000 du royaume. Donc autrement dit, le super super power, parce que le super power, le power c'est 300, le super power c'est 600 et le 1000 c'est le super super power ou le méga power comme vous voulez. Sur le top 300, ils ont eu une chute, le 1846, de 1 639 000 000. Le 2489, 1 525 000 000. Donc 1 100 000 000 d'écart de puissance perdue en plus pour le 1846 qui montre que les mecs donnent tout. En termes de morts, 148 millions de morts pour le 1846, 134 millions de morts pour le 2489. En T5 kill, c'est le 2489 hein, qui a fait le plus de T5 kill. 3 914 millions plutôt. En termes de T4 kill, pareil, hein, les 1846 en a tué bien moins, alors que là en T5 il y avait quand même un écart important, ce qui montre que les 1846 utilisent beaucoup de T4, hein, c'est une technique qui est comme une autre. Et en kill point, 75 milliards du côté 1846, 90 milliards du côté du 2489. Cette fois, si on prend... Donc l'écart est quand même en faveur du 2489. Si on prend le top 1000 cette fois, c'est une autre histoire. Moins 2 milliards de puissance pour le 1846, moins 1,8 quasiment, ou 2 milliards 100 et 1,8 on peut dire pour le 2489. En termes de morts, 209 millions du côté du 1849, 192 millions du côté du 2489. Donc en top 300, on avait 14 millions d'écart, en top 1000, on a 17 millions d'écart, c'est très serré, franchement ça se tient. En termes de T5 kill sur le top 1000, eh bien le 1846 passe en tête, 4 milliards 53 millions, 3 milliards 956 pour le 2489, ce qui montre que regardez, il n'y a entre le 2489 top 300 et le top 1000, il n'y a pas grand chose, il n'y a que 42 millions d'écart en termes de T5 kill, ce qui montre que côté top 1000, ils sont plutôt pauvres le 2489, ils n'ont pas une large base de joueurs actifs. Pareil en T4 kill, hein. 1 milliard 199 millions sur leur top 300 et 1 milliard 224 millions sur leur top 1000. Vraiment pas beaucoup de joueurs au-delà du 300, hein. C'est vraiment assez impressionnant. Et ce qui est le plus flagrant, c'est sur le top 1000. Regardez en kill point, 90 milliards 280 millions pour le 2489 en top 300. Et bien sur le top 1000 du 2489, 91, 378 à peine plus. Alors que le 1846 fait un jump, lui, de 10 milliards, de 75 milliards. Il passe à 85 milliards et donc ça va être très tendu rien qu'en voyant ça pour le 2489 hein, de tenir face au 1846.
Alors, je vous avais déjà montré cette astuce, comment voir ce qui se passe, comment enlever la brume. Cette fois, je vais vous le faire sur PC. C'est pareil que sur iPad ou sur tablette ou sur smartphone, quel qu'il soit. Mais ça n'enlève pas tout à fait la brume. Ça fait apparaître les positions des forteresses. Donc, ça nous permet quand même de voir ce qui se passe. Donc, c'est très simple. Vous vous mettez, il vous faut déjà un compte sur l'un des royaumes qui se trouve sur ce KVK. Donc c'est simple, il vous faut un compte quel que soit le niveau, hein, soit au 24,89, 13,65, 11,75, 18,46, 11,88 ou 10,79. Moi j'en avais déjà un sur le 18,46, mais il n'est pas d'assez haut niveau, donc je ne peux pas m'y rendre sur le KVK et je ne peux pas enlever la brume et je n'ai pas envie d'attendre, bien évidemment. Donc que faire? C'est très simple. Ce que vous allez faire, vous allez désactiver votre réseau. Donc, si vous êtes sur smartphone ou sur tablette, vous allez désactiver le Wi-Fi. Si vous êtes sur PC, bah pareil, hein, soit le Wi-Fi, soit vous désactivez carrément votre contrôleur Ethernet. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Je désactive l'appareil tout simplement. Tac, et vous allez le voir. Hop, instantanément, je le désactive et ça me met réseau instable. Ce que je fais tout de suite confirmer pour avoir cette fois une erreur réseau et non plus un réseau instable. Donc c'est désactivé, j'attends qu'il me mette l'erreur, eh bien c'est tout moisi chez toi et donc on ne peut pas te remettre internet, on ne peut pas te redonner accès au jeu. Et là vous avez réseau instable. Une fois que vous avez cette erreur, vous réactivez l'appareil, vous réactivez votre carte ou vous réactivez le Wi-Fi. C'est important de le faire, de réactiver le Wi-Fi une fois que le message est apparu. Une fois que vous avez réactivé le Wi-Fi, vous cliquez cette fois une nouvelle fois sur continuer. Et cette fois, vous allez voir, la brume ne va pas partir sur PC, mais je vais avoir le placement de toutes les forteresses. Si vous sortez du KVK, si vous sortez de la map, si vous débordez sur le côté de quoi que ce soit, ça va disparaître. Hein. Donc profitez-en pendant que vous êtes dessus et pendant que vous voyez le positionnement des forteresses. Et vous allez voir, hein, ça nous permet de deviner exactement ce qui se passe. Pouf, j'ai toutes les forteresses qui sont apparues. Malheureusement, je zoome, je dézoome. Hein. Ça ne fait pas disparaître la brume pour autant, ce qui était le cas quand je le faisais sur iPad ou sur iPhone ou sur smartphone tout simplement plus largement ou sur tablette. Mais ça nous laisse deviner ce qui se passe. Regardez, ce côté où j'ai le 10,79, le 11,88, hein, le 11,75 également. Eh bien, regardez, le 13,65 hein, est totalement bloqué à sa porte. Hein. Là, c'est une forteresse du 13,65, forteresse des alliances. Hein, je peux cliquer dessus. Vous le voyez, hein, même si j'ai la brume, je peux totalement cliquer dessus. J'ai une coalition à 10 milliards, 11 milliards, 10 milliards et demi, 11 milliards, 100 et 3 milliards 4. Eh bien, ils sont bloqués de leur côté, hein, du côté de leur porte, hein, totalement. Le KN79 hein, de... Vous voyez, j'ai tout. Hein, j'ai, hop là, je clique sur la forteresse, elle est là. Je peux aller voir la coalition de notre ami Koala, hein, une coalition, enfin une puissance plutôt. La d'Alliance, elle n'est pas dans la coalition, c'est juste pour bloquer. Bref, on a totalement la carte hein, des forteresses et on le voit. Le 1365 a réussi à sortir sur le côté là, mais c'est tout pour le reste, hein, excepté cette zone là. Ils n'ont pas les bâtiments au centre de la zone, puisque c'est, on le voit bien, le bâtiment. Hop, on a, hop là, on est sur le bâtiment de niveau 6. Là, il me dit, ouais, gouverneur, c'est un lieu sacré, patati patata. Le sanctuaire, eh bien, le sanctuaire est à l'alliance du 88, du 79 et du 75, du 1175. C'est mort totalement pour le 1365, c'est extrêmement étonnant, je peux vous dire, hein, ça provoque pas mal sur le Discord et sur le Facebook, c'est vraiment étonnant, mais ils sont totalement bloqués là, sur ce côté-là. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est une stratégie? Je n'en sais rien. Si on va voir ce qui se passe au sud, évidemment au sud, c'est totalement différent, puisqu'en Ceylan, on est sur une zone... Hein, neutre entre le 1846 et la triple alliance, hein, 88, 75, 79 tout simplement, et le 1846 est parti à fond au nord bien évidemment. Et là regardez, ce n'est pas la même, encore une fois, hein, on a le brouillard mais on a quand même toutes les forteresses. Et là ça nous permet de les compter, le nombre de forteresses est encore une fois impressionnant. On en a, comptons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors attendez que je dise pas de bêtises, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. On a 41 forteresses affichées. Et là, on est parfaitement au centre. Il n'y a pas d'avantage sur le papier au WIB, au 1846, hein, ou au 89 CG ou au 89 VC. C'est vraiment très très stable en ce centre-là. Si on avance et qu'on regarde les coalitions, si on va voir sur celle des, hop là, des WIB, hein, on a un petit peu trop zoomé, on va voir sur celle des WIB, elle ne brûle pas, hein, 155 000. Coalition, ils sont bien, 14 milliards 4, 11 milliards 9, 9 milliards 5. Il n'y a pas de problème sur cette forteresse-là. Est-ce que la forteresse des CG brûle? À mon avis, il n'y a pas de surprise. Ça ne brûle pas non plus. Hop là, on clique dessus. Non, elle est dans un état parfait. Alors, on ne peut pas voir les troupes, hein, malheureusement, ce qui se passe. Ils sont à 12 milliards, 12 milliards 8 et 2 milliards. Ça, c'est une sub pour poser de la forteresse. On peut aller voir les 89 VC aussi, tac, qui sont ici et qui ont une forteresse. D'ailleurs, on va aller voir la forteresse la plus avancée des 89 VC, hein, qui se retrouve en face des RIS. Tac là, qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que cette icône? Ah, énorme, comment ça apparaît, ça, regardez. C'est énorme, là, le logo, comment il apparaît. Bref, retournons sur la forteresse au lieu de m'émerveiller, hein, de voir comment ça apparaît. Tac, on retourne dessus, 89 VC, ils sont bien solides, hein, 11 milliards 9, 12 milliards 8 et 2 milliards, ils sont avec les CG également. Et ce qu'on voulait voir, c'était donc si la forteresse était toujours full, elle est dans un état parfait de l'autre côté, du côté des RIS. Hein. Tac, on va cliquer dessus, état parfait, tout a l'air de tenir. Franchement, à mon avis, cette zone-là ne devrait pas bouger à ce stade. Est-ce que là, du côté du 489, ouh, il y a de la bulle, c'est étonnant, il y a de la bulle, regardez, on le voit, hein, les petits halos comme ça, c'est que les mecs sont sous bulle, donc ils n'ont pas totalement confiance, hein, en ce qui se passe sur cette zone-là. On le voit, hein, il y a même un mec qui farm, ils n'ont pas confiance. Est-ce que le 1846 va réussir à prendre l'avantage sur le 89? Est-ce que du côté des SIN, ça brûle? En tout cas, non, ça ne brûle nulle part, franchement. Ils sont totalement solides. On regarde, j'ai regardé la première forteresse des RIS. Il se peut, ouais, ça shield là cette fois du côté du 846. Pourtant, la forteresse est pleine et ils sont sur le terrain de la forteresse, donc ils sont plutôt détente. Est-ce que de ce côté-là, hein, si on va tout au bout du côté des BFM, est-ce que ça brûle du côté... Ah, ça a brûlé du côté des BFM, mais c'est en réparation. On a Mokotte. Mokotte qui est là, 584 millions. Il a bien chuté, l'ami Mokotte, hein, puisque, souvenez-vous, il est monté suite au pré-KVK à 750 millions. Il a quasiment reperdu. Il a créé 250 millions de troupes, hein, durant le pré-KVK. Eh bien, il en a reperdu déjà 170 millions, il n'a plus que 80 millions d'écart. Vraiment énormissime joueur, hein, notre ami Marquinhos du PSG. Énormissime joueur de rock, énormissime joueur de foot. Bref, au top partout, le mec à fond dans la compète. Bref, vous le voyez, cette astuce, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle vous permet de voir exactement ce qui se passe. Vous pouvez cliquer et même si vous êtes sur PC et que la brume ne part pas, ça vous permet de savoir comment sont positionnées les forteresses. Et dans la zone de Lucerne, hein, on le voit pareil, hein, pas de fight ni entre les 89 ni entre les 365. La prochaine étape, quelle va être? Ça va être simple, c'est l'ouverture des portes de niveau 5. Et étrangement, hein, le fait que le 365 se soit fait dominer par la Triple Alliance va mettre en péril l'alliance avec le 2489. Pourtant, le 1365 est censé être actuellement le royaume le plus puissant. Ça va jouer où? Eh bien, en Zarat, il n'y aura pas de duel, en La Havane non plus. Ça va jouer principalement sur la zone... Enfin, s'il y aura peut-être des duels, mais ça va être un petit peu différent. Sur cette zone-là, en tout cas, en Zarat, il n'y aura rien puisqu'il n'y a que la Triple Alliance qui est passée sur cette zone-là. Donc, on devra attendre les portes de niveau 7. Les portes de niveau 5 n'apporteront aucun nouveau combat. De l'autre côté, c'est pas la même. De l'autre côté, on va peut-être avoir du fight, hein, en La Havane. Du moins, ce qui sera sûr, l'ouverture des 7 et pas avant. Hein, mais ce qui sera sûr, c'est qu'on en aura sur l'Hôtel des Ténèbres. Et donc, le 1365 va devoir attendre l'ouverture des Terres du Roi et le soutien du 2489 pour gagner peut-être ce KVK ou pour perdre. En tout cas, ce qu'on note, c'est qu'en San Pedro, le 1846 tient le 2489.
Certains disent même que le 1846 a actuellement l'avantage. Quand on regarde la map, c'est pas tout à fait le cas. C'est très équilibré. De l'autre côté, le 1365, hein, lui, se fait éclater. Et voyez, je suis sorti de la map et j'ai tout de suite perdu. Donc, le 2489 se fait éclater. L'ouverture des Terres du Roi, c'est pas pour tout de suite, mais... Dans à peu près 10 jours, nous n'aurons plus de brume et on pourra voir sans ce cheat, sans ce petit bug, toute la map. Je vous le rappelle, un petit coup, le petit bug, comment on fait pour voir toute la carte? C'est très simple. Vous désactivez, vous vous mettez sur le KVK, vous créez un compte sur le royaume qui est sur un KVK où il y a la brume. Vous désactivez le Wi-Fi ou le réseau, hein, tout simplement. Si vous êtes sur PC, vous désactivez votre carte réseau. Je la désactive. J'ai tout de suite après la désactivation du Wi-Fi de la carte réseau, réseau instable. Ok. Vous mettez une première fois confirmé. C'est important. Mettez une première fois confirmé. Laissez tourner la petite roue. Que vous soyez sur smartphone, sur tablette ou sur PC, c'est exactement le même principe. Une fois que la petite roue va s'être arrêtée de tourner, hein, vous allez réactiver votre contrôleur. Voilà, quand vous voyez le message apparaître, vous réactivez le Wi-Fi ou votre contrôleur réseau. Vous attendez qu'il soit activé, évidemment, et que vous soyez connecté. Et là, à ce moment-là, vous mettez confirmé et vous allez voir, ça va réapparaître. Comme par magie, ça va réapparaître. Comme par magie, on va pouvoir voir exactement ce qui se passe sur le KVK avec ou sans la brume. Hein. Ça dépend de votre device. En tout cas, sur PC, la brume reste. Mais on a quand même, encore une fois, hein, les positions de toutes les forteresses. Et on voit même les villes. Alors là, il n'a pas voulu revenir. Donc, je lui remets un OK. Il m'a remis un code d'erreur un peu chelou. C'est que je ne devais pas encore avoir la connexion tout à fait établie quand j'ai cliqué sur OK. Et puisque quand je suis sur PC, évidemment, forcément, c'est un petit peu plus long que de réactiver le Wi-Fi sur smartphone ou sur tablette. Là, j'ai même carrément fait freeze le client. Est-ce que ça va enlever le brouillard? Non, ça ne l'a pas enlevé. Mais, c'est. Ouais, c'est revenu. Et donc, vous voyez, ça marche évidemment à tous les coups. Notez cette astuce, les amis. Elle marche depuis très longtemps à présent. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.